Lorsque l'on est moine et que l'on vit dans la forêt, on se réveille tous les matins avec le chant des oiseaux à 4 heures. Dans ma cellule de moine, j'ouvre les yeux. La forêt tropicale retentit de 1000 bruits inconnus, des sons d'oiseaux qui s'interpellent, les cris des geckos, des sifflements, des suintements, l'écoulement de l'eau. Je me lève lentement en observant mes mouvements. Puis je saisis le coussin de méditation que j'ai fabriqué avec des fibres et de la ouate de palmier récupérée dans la forêt et je m'adosse au mur qui entoure la cour carrée, au centre de laquelle il y a un puits. C'est la première session de méditation de la journée. Je ferme les yeux et brusquement la nuit s'intensifie. Tout devient silencieux, excepté pour ce battement de la vie. Comme un corps doux et pulsé, ininterrompu, je prends conscience que je vis dans un univers interconnecté et infiniment vivant. Tous les jours, je me réveille aux sons tropicaux de ce lieu étrange et pendant 16 heures, du réveil au coucher, je pratique la méditation, instant après instant, jour après jour, année après année, sans relâche, sans me presser, mais aussi sans interruption, jusqu'à ce qu'un jour, le processus de l'illumination se déclenche. Je suis Tim de Space News. J'enseigne ces techniques de méditation très efficaces depuis plus de 60 ans et je suis ravie de pouvoir les partager avec vous dans un atelier en ligne qui aura lieu à partir du 10 septembre 2024 à 20h15. J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité et à la méditation à l'âge de 16 ans et à plusieurs grands professeurs spirituels qui m'ont guidé comme Jiddu Krishnamurti, Goenka, Nisargadatta Maharaj, Mahanandamoy et j'ai travaillé avec eux en personne parce qu'ils étaient encore vivants à cette époque. Après une période de découverte et de remise en question intense, je me suis mise à rechercher une spiritualité directe et simple, car tout ce qui m'intéressait était de méditer et d'être illuminée, et c'est tout. Ces techniques de méditation, selon le moine de forêt, font partie de la tradition Theravada, c'est-à-dire le bouddhisme du petit véhicule, Hinayana, et les techniques s'appellent Vipassana. Ce sont celles qui ont été enseignées par Siddhartha Gautama, après qu'il soit devenu illuminé et appelé un Bouddha. Cette forme de méditation est orientée vers la réalisation de soi ou l'illumination. Ce sont elles qui constituent les fondations de toutes les autres formes de méditation. Elles consistent à utiliser les trois modes d'attention, vive, libre ou focalisée, pour observer les pensées, les sensations, les perceptions et les émotions à l'instant même où elles se présentent, sans jugement. La pensée occupe en général toutes les heures de vos journées et souvent de vos nuits, et les émotions qu'elles génèrent vous emportent dans un flux continu de préoccupations et de contrariétés qui vous empêchent d'être pleinement conscient ou consciente. Ces techniques vous aideront à les observer avec attention et avec un esprit curieux de le découvrir. Elles permettent d'être pleinement conscient de soi et du monde dans l'immédiateté et l'entièreté de chaque instant.
La méditation n'est pas un processus intellectuel, et moins encore l'approfondissement d'un principe philosophique, car dans l'espace dont la pensée s'entoure, il est impossible de se réaliser. Seule la pratique de techniques rigoureuses permet de transformer toute la chimie de votre corps et de votre cerveau pour créer de nouvelles cartes neurologiques en parfait accord avec vous-même. C'est pour arriver à cet état de plénitude que l'observation est utilisée, qui permet d'arrêter le flux de la pensée. En fait, la méditation commence réellement lorsque la pensée s'arrête. Le programme de cet atelier est organisé de la manière suivante. 3 séries de 4 sessions. Session 1, présentation de mon parcours de moine, l'illumination terrestre. Session 2, la méditation passive, c'est-à-dire assise, donc l'explication des positions, du matériel qu'il faut. Session numéro 3, la méditation active, en action, c'est-à-dire essentiellement au départ en marchant. Session numéro 4, les 5 sens, perceptions et sensations. Session numéro 5, de la sensation à l'émotion. Session numéro 6, l'appréhension, le jugement et la catégorisation. La session numéro 7, la dualité. Session numéro 8, l'inné et les capacités de l'être humain. Session numéro 9, la douleur, approcher, comprendre, accepter, guérir. Session numéro 10, la tétravalence, une vision à 350 degrés en 3D en profondeur. Session numéro 11, les starseeds, émissaires stellaires à la roue du vaisseau Terre et l'importance de la méditation comme universel. Et session numéro 12, l'illumination ou l'intégration extraterrestre. Vous aurez l'opportunité de vous développer spirituellement, de découvrir des domaines encore inconnus, de partager vos expériences et de poser vos questions. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place. Ne manquez pas cette occasion unique d'apprendre et de vous développer. Je serai ravie de vous accueillir et de partager toutes ces connaissances avec vous. À très vite.